Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue a grandi, non seulement en nombre d'années, mais aussi en popularité. Lors de la 30e édition du festival, j'ai eu le privilège d'être membre du jury pour le prix Communication et Société, décerné au long métrage qui se distingue par ses valeurs humaines, sociales et spirituelles. C'est le film Monsieur Lazare du réalisateur Philippe Falardeau qui a été le grand gagnant. Le visionnement des nombreux films m'a permis d'étudier la sensibilité des réalisateurs en quête d'humanité, d'entrevoir différents enjeux sociaux et aussi de voyager dans plusieurs cultures. Je tiens à féliciter toute l'équipe du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue pour la chaleur de son accueil et son souci du développement cinématographique dans notre région. Bonjour la vie vous a été présenté par la résidence funéraire de l'Abitibi-Témiscamingue.